الحسن فاض على غصون الباني، والكون أطرب بالشدى المزدان. للنور نسعى نرتجي من ربنا، تلك الأجور بنعمة وجنان. في رونق بالحب نرسم نوره، نسعى لنكتب قصة الإيمان. Salam alaikum et bonjour, bienvenue encore une fois dans votre émission Allah m'a guidé. Cette fois nous sommes allés à Puteaux où habite Elodie, qui son rêve d'enfant était de devenir une religieuse catholique. Et c'est en lisant le Coran dans une bibliothèque qu'elle a été touchée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour, je m'appelle Elodie, mon prénom musulman c'est Khadija, j'ai 33 ans. Je suis convertie à l'islam depuis le 29 septembre 2006. Et pour le moment, je n'ai pas trop de travail, je garde des enfants le soir après pour la sortie d'école. Ben, en fait, avant, j'étais chrétienne, j'étais à fond dans la religion catholique. Et en fait, j'étais souvent malade. Et en fait, à l'église, je devais recevoir le sacrement des malades. J'y suis allée. Quand il y a eu la cérémonie, le prêtre il a demandé... Et à un moment, il a demandé le prêtre à ce qu'on reçoive l'esprit pour continuer à avancer. Et moi, j'ai vraiment senti quelque chose rentrer dans moi. Et en fait, je voulais en apprendre plus sur la religion. Ensuite, je suis allée à la bibliothèque. J'ai emprunté des livres. J'ai pris que des livres sur l'islam, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai ouvert un livre au hasard. Et je suis tombée pile sur un verset du Coran qui parlait des chrétiens. Et je me suis mise à pleurer. Quand j'ai lu ce bouquin, j'ai pleuré tellement j'ai eu l'impression qu'en fait, ça avait été écrit pile pour moi. Ben, en fait, j'ai une amie qui m'a aidée un petit peu. Ensuite, deux mois après, je suis allée à la mosquée. Je suis allée avec ma copine et son mari. L'imam, il m'a posé quelques questions à l'entrée de la mosquée. Il m'a demandé pourquoi je me convertissais, si je le faisais librement, quel prénom musulman j'avais choisi. Après, il m'a fait passer dans une autre pièce. Il a appelé une douzaine de personnes pour être les témoins de ma conversion. Ensuite, il m'a fait faire ma shahada en arabe et en français. Et bon, j'avais un peu du mal à le dire parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. De 4 passer à 12... En plus, comme c'était en plein ramadan, il m'a offert une boîte de dattes et puis un Coran en français. Ensuite, après, je suis allée dans la salle de prière des femmes et toutes les femmes, elles ont pleuré, elles m'ont serré dans leurs bras. C'est vraiment, je me suis vraiment sentie accueillie. ألبسنا حسنا وتجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها ألق والكون أنشانا. Là, il y a à peine 2 minutes pendant le tournage, il y a un monsieur qui est passé, il m'a demandé si j'avais pas honte d'être habillée comme ça. Non, j'ai pas honte, pourquoi j'aurais honte? C'est assez fréquent dans cette ville quand même. Une fois comme ça, j'étais tranquille et puis il y a un monsieur qui passe à côté de moi, il me dit au secours Marine. J'ai dit oui, bah, je crois que vous avez un problème. Ensuite, c'est quasiment tous les jours comme ça, plutôt, je me fais insulter. On me dit de retourner dans mon pays alors que je suis française, je suis chez moi ici. Je vois pas en quoi ça dérange. En fait, moi, ça, j'aime bien quand je lis le Coran, mais en fait, je le lis en français et en phonétique, donc du coup, c'est comme si que je le lisais deux fois en même temps. Surtout quand j'écoute certaines sourates du Coran, c'est vraiment super. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Aussi, ça, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est quand je prends les remèdes prophétiques comme l'huile de nigel, la poudre de costus. Depuis que je prends ces produits-là, je ne fais plus aucune crise d'asthme. Avant, je faisais beaucoup d'asthme, maintenant, j'en ai plus du tout. Aussi, ce qui fait beaucoup de bien, c'est pour le mal de dos, il y a la hijama, ça c'est le top, il n'y a rien de mieux que ça. Il y a quelques semaines, j'ai vu mon ancienne professeure de français de quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège, j'étais catholique à fond et je voulais devenir religieuse. Et quand je l'ai vue il y a quelques semaines, elle me fait « Ah bah c'est bon, t'es devenue ce que tu voulais, t'es devenue religieuse. » Je fais « Ah non, non, je suis devenue musulmane. » Elle a cru que j'étais religieuse. Je fais « Bah non. » Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt, Inch'Allah, pour un prochain épisode d'Allah m'a guidé.